Hey, fait que salut, c'est Max de On Choc. Je suis présentement au La Source de Vatican à Québec. On est présentement avec le groupe Place d'Homme à Montrouge. Ça. Hey, à gauche, j'ai Joe, Matt, Jean-Claude, Yannick. Michel. Excuse. Dans le fond, je voulais savoir. Excusez-les. Ce que vous faites dans le band en chacun de vous avec le jeu de triangle. Les vos noms. On a Joe, le beau chanteur. Moi qui est au drum, notre super master shred Yannick. Ouais, ça sent le shred en tout. Notre bassiste, mec, à. Tout au bout, là. Ouais, c'est toi. Lui, là, mon beau barbu. Comment, dans le fond, votre band s'est formé? Danseuse! Ah non, mais on s'est fait un meet, on s'est meeté aux danseuses. Puis c'est vraiment con comme histoire, là, on portait tout un chandail de rue cette journée-là. Puis on dit quand même, il savait quoi le nom du band là, autour de la danseuse qui est en train de danser sur son stage. On a tout genre sorti. Ça va être Last Dance à Monwolf. La dernière danse parmi les loups. Ça fait une dingue comme situation. C'est pour vrai, genre. Ouais, on avait quasiment le même petit chandail de loup. C'était quand même vraiment ironique. C'était que comme ça arrive. Si vous aviez appelé. Genre. Ouais, puis c'était notre premier Mick là. Et puis à part moi puis Mick qui se connaissaient déjà. J'y ai pas personne d'autre. À l'époque, c'était pas Jonathan au chant, c'était Dee Murphy, là, qui est maintenant dans un nouveau projet. Ouais. Mais là, c'est le premier show à soir de Jonathan, puis ça a levé la foule en tabarnak! Ah ouais, vous êtes content de votre fait qu'il mérite son chandail de loup, lui, avec. Il va l'avoir prochainement, là, dans le fond, là, son initiation avec le chandail de loup. Ouais. Il est danseuse. On va retourner voir Chantal! Par exemple, c'est lui qui paye, hein? Ouais. C'est ma tournée! C'est quoi, dans le fond, vos inspirations du groupe? Tu y aller par personne? Ben, genre, on a pas mal tout un background différent dans les styles. Ben, je vais commencer avec Joe, vas-y. Ah, oh, moi, Killswitch. Killswitch Engage. Ouais, ça paraît. Hein, moi, Azalea, Parkway, Upon. Ouais, pour vrai, c'est le petit Jérémy. I don't care! Non, mais pour vrai, moi, je suis fan des années 80-90, de tout ce qui était trash et tout. Fait que je donne ce petit son-là au band. Quand je suis pas très metalcore, quand je les ai rencontrés, je me suis adapté au metalcore. Finalement, avec le temps, on s'est même rendu compte qu'on n'a jamais fait du metalcore vraiment. Plus un style qui. Trash. Ouais, trash. Un mélange de trash, de hardcore, puis. Qui est plus prédéfini par. Ouais, puis avec Joe, ben ça met juste la cerise sur le sundae parce que avant, il y avait quelqu'un d'autre qui chantait, mais ça fitait un petit peu moins. Et le gars est talentueux, mais ça fit pas, tu sais, quand ça fit pas, là. On mettrait le petit Jérémy encore une fois dans notre band, ça. C'est pas sa place. C'est pas la même chose. C'est pas... Ah, on pourrait peut-être en jouer au Rockfest avec. Ça va être notre ouverture au Rockfest. Oui. Moi, c'est Britney Spears. Moi, je trippais bien raide là-dessus. J'ai dit, on va faire du métal. La teinture aussi. Ouais, la base, ça, ouais. Je voulais faire pareil comme elle. Genre, oh, ouais, c'est des beaux cheveux. Hit me, baby, one more time. J'imagine que tu manquais juste ton micro-casse avec ta base. Ah, micro-casse, ouais, mais. Ouais, moi, j'étais un fan pas mal, je dirais, de mélodique. Du coup, des bands que le monde aime moins d'habitude. Je sais pas pourquoi, là, mais tu sais, comme. Cattle Decapitation, c'est fucking heavy, mais j'aime ça au bout. Ou Néo-Lviscaris, moi j'aime ça au bout, mais c'est pas grave. Je rapporte mon petit côté de moi dans le band. C'est plus depth, je me souviens. Ça, c'est plus depth, ça. Ouais, c'est plus depth, mais c'est pas grave. J'ai comme plein de choix différents, je peux t'en donner plein. Oh, mais... de Red Hot Chili Pepper, ça. Ouais. Exactement, ouais. Et Britney Spears, que j'ai appris aujourd'hui. Ouais. Je suis fan de Katy Perry, mais c'est pas grave, c'est du métal. I kiss the girl and I kill. On connaît trop de chansons pop. Ouais, ça va pas bien. Let's go, punk. Dans le fond, si vous avez commencé à vendre la merch, c'est quoi votre marketing? Pour votre merch, c'est quoi votre merch? Au début, on voulait juste vendre des chandails pour les Ewoks, mais ça ne rapportait pas, fait qu'on a commencé à faire toutes les grandeurs de Small X là. On a juste des t-shirts puis des EP physiques, mais là, on lance un album en 2021, fait que tout va tourner autour de cet album-là, tu sais, les nouveaux chandails, les albums, on va faire des patchs puis tout, on va se même des hoodies. Il me semble que vous le financez puis vous le faites vous-même. Ah, on fait comme
Ben, j'enregistre tout. Puis on a Rémi. Rémi, toi tu le connais personnellement. Je pense que c'est le Grizzly. Le Grizzly, merci. Puis ben, c'est lui qui mixe pour nous autres l'album. Puis à date, fait. Une petite bonne job. Ouais. Ça sonne pesant. Ouais, vous avez fait que, c'est un peu l'album, c'est un peu ce qu'on a fait sur les LP. On bosse avec la sauce avec Joe, puis un peu les riffs, mais on va sortir de la nouveauté là-dessus aussi. Ben, tu sais, ça fait un an et demi que la band existe, fait que on n'a pas full de gear, mais on veut le premier album officiel du band pour 2021 avec le son qu'on cherchait. Maintenant, avec Matro Drum, fait que ça donne un petit son plus hardcore. Puis ben, la voix de Joe, ben, c'est juste parfait. On a pas beaucoup de merch, mais... Mon petit nain préféré! Le premier vrai album va venir avec la merch. C'est ça qu'on a notre projet, c'est ça qu'on veut faire. Ça, mais c'est beaucoup de choses, il me semble, que vous avez fait en si peu de temps. Ouais. Ça fait pas longtemps que vous êtes une nouvelle formation. Un an et demi. Quasiment un an et demi. Le premier single est sorti il y a 5 jours. Et puis Spread the Love, à l'époque, c'était lui qui était le drummer. Puis après ça, on a cru que ça prendrait 2 guitares dans le band, puis lui il joue de la guitare depuis 7-8 ans, même plus. 7 ans. Sorry! Puis ça fait mal, on l'a mis à Git, on a cherché un drummer, mais malheureusement, le drummer, après le COVID, la motivation n'était plus là. Fait qu'on l'a remis au drum, puis finalement, on garde cette formation-là. À soir, on a prouvé que c'était solide, tu sais. Qu'on peut boucher, ouais. Qu'on n'a pas peur, puis qu'on est prêt à foncer. J'ai entendu les bons commentaires des spectateurs, puis c'était vraiment. Ouais. C'est le fun ça! Ah, oui, t'es vraiment content! Là. Mon cou me l'a dit que j'étais bon là. Je pense que c'est une marque de commerce aussi. Oui, ça, ouais, ma chemise Léopold. Un look en particulier sur scène. Mais mon idole quand j'étais jeune, c'était Angus Young avec ses petits shirts et tout. Puis je veux ramener ça un peu aussi à guitariste de Killswitch Engage avec sa cape. Je veux être un peu loufoque sur stage. Mais garder un côté de métal. Je ne vais pas me déguiser à Elton John. Ouais, ça serait dommage, il n'y aura pas de show cet hiver, on pourra pas sortir le One Piece du Grinch. Ah, fuck! Il manque un membre. Ouais, c'est vrai, on a pas il y a un membre en moins aujourd'hui. Il est en forme comme formation, je peux dire ça. Un nouveau membre qui va arriver avec l'album en 2021. Un autre guitariste. Ah, ce soir, il n'était pas là parce qu'il est en train d'apprendre les chansons. Comme une autre, il connaît tout ça, puis on l'embarque. Lui, il va être plus safe freedom ou plus lead? En temps normal, c'est moi le lead, mais je sais pas. Je prends pas tout pour moi. Je vais laisser lead aux autres. Même quoi que j'aime ça. Mais... Tu vas faire rhythm bass en même temps, puis nous, on va mettre en arrière. Ouais. Ça, toi, c'est ça. Tu vas aller faire une sieste en attendant dans le backstage. Ouais. Comme tous les bassistes, apparemment. Tu vas dans le backstage. En arrière. Comme tous les bassistes, apparemment. Ouais. Ouais, hein? Ah, c'est primeur, je la connais pas. Non, non plus. Ah, non, la primeur avec le gear, des fois. Non, ça c'est orange. Orange. Ouais, super orange. C'est un rando la vente. Ouais. Ouais, j'ai mais bon, crache le cash. Okay. Est-ce que vous avez d'autres trucs que vous allez avoir en 2020? En 2020, on va avoir un autre truc. Si le COVID le permet. D'autres trucs, c'est vaste. D'autres trucs comme show. 2020, on a un show la semaine prochaine. Oui, vous avez bouclé là. À Saint-Eustache. Oh, si on est comme les Dolly de relais. On parle en même temps! Mais ouais, Saint-Eustache, si le COVID le permet. Sinon, on close l'année avec ça. On va focusser sur l'album après. Pour 2021, ça va arriver tight comme une sorte de break. Puis l'album va être. J'espère qu'il va être écœurant. Mais moi, personnellement, il est en mon sens. L'important, c'est que la band l'aime, fait que j'imagine que si nous on l'aime, les autres vont l'aimer aussi. Je vais pas revenir sur l'album et tout, mais dans le fond, en 2021, est-ce que vous avez des attentes que vous allez faire comme des tournées plus c'est ma first attente, j'espère que le site COVID va être terminé. Ça, c'est mon attente numéro 1. Après ça, je vais commencer à avoir d'autres attentes, mais avec ça qui nous met des bâtons dans les roues pour aller ailleurs, là, on est pas mal sur la scène locale. Là, les salles sont à moins de capacité, mais éventuellement, c'est sûr, mais j'aimerais ça être sur des festivals, rejoindre des line-up intéressants et tout. Je sais pas que les line-up locales sont pas, j'ai découvert les bands qui sont fucked up, mais des fois, jouer avant Parkway Drive, exemple, ben, tu vas reach bien plus de personnes, de nouveaux crowds. Comme plus des bands connues. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu joues pas comme en ce moment, on a joué quand demain comme maximum 35 personnes, mais c'est ce qu'on peut avec le COVID.
après le COVID, est-ce qu'on peut se faire des nouveaux fans? Là, on est descendu à Québec pour... On est fondé au mauvais temps, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Ouais. Disons que c'est juste place, tu sais, moi personnellement, ce que je voyais pour le band, c'est de pouvoir partir tournée québécoise, peut-être même tournée canadienne. Comme tu dis, tout ce qui se passe présentement, c'est dur de pouvoir dire qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on voudrait faire. Parce que, comme qu'on le sait, on est pas mal bloqué par le gouvernement. What's up, guys? Yeah. We are LDAW! C'est Max de Own Chuck. Faites attention à vous autres. C'est là que je me pète la bouteille, ça teint! Oh, comment on va finir ce début-là?